Vous êtes sur RTL. Ah bah alors c'est facile si ça commence par deux L, c'est espagnol. Espagnol. Alors les Llanitos, c'est une équipe de... Comment te llamas? Des football. Je commence un peu à essayer d'apprendre l'espagnol. Ah, un poquito. Un peruvienne. Et les Llanitos, c'est une équipe de football. Elle a gardé les restes de Julio Iglesias. Hein. Ah, lui aussi. Lui aussi, ouais. Non, mais non. Lui, j'aurais bien aimé. Ah. Ben, c'est toujours possible, parce que il n'est pas mort. Alors vraiment, je parle pas maintenant, je respecte beaucoup, mais je trouvais qu'il avait un charme fou. Pour les femmes, pour mon drame, le sourire nous désarme. Eh ben, il m'en reste cette phrase. Non. Caroline, adorable. Non, toi non plus, tu ne m'as pas branlé. C'est pas possible. Est-ce qu'on peut parler d'amour? Oui, c'est ça. Et pas de sexe, toujours. Après ton régime, tu me plais. Vous salissez tout, quand même. Vrai, il aurait pu chanter comme j'aime à Caroline Rullio, quand même. C'est vrai, ça raison. Ah, mais allez, comme j'aime. Allez vous faire foutre. Oui, il a eu beaucoup de procès, d'ailleurs, Rullio, non, pour des... Ah oui, pour tricotage, des enfants putatifs. Non. Ah. Que plein de femmes ont déclaré que c'était des enfants. Bah, vous connaissez l'histoire, je l'ai racontée 18 fois, mais je veux bien la raconter une 19e fois. Allez-y, on l'a oublié. Vous la connaissez pas? Ben non. Oh, bah si, c'est les grandes époques de Julio Iglesias, où toutes les femmes étaient folles de Julio Iglesias, et il y a une femme qui passe une petite annonce et qui dit « Rêve d'avoir un enfant qui ressemblerait à Julio Iglesias ». Et alors là, évidemment, elle reçoit des candidatures, elle regarde les photos, et puis il y a des tas de courriers, il y a des types qui ressemblent plus ou moins à Julio Iglesias, mais jamais un qui ressemble vraiment à Julio Iglesias. Mais parmi tous les courriers, il y en a un où il n'y a pas de photo du tout. Et en revanche, la personne dit « Moi, je vous jure que si on fait l'amour ensemble, vous aurez un enfant qui ressemble à Julio Iglesias ». Alors elle dit « Bon, celui-là quand même, je vais le faire venir, on verra bien ». Le type sonne à sa porte deux jours plus tard, ils prennent rendez-vous, ils sonnent, elle ouvre et là elle voit un type mais vraiment pas très beau, hein, vraiment, alors, qui ressemble en rien à Julio Iglesias. Elle dit mais enfin, c'est bizarre ça, quand même, comment vous pouvez être sûr que vous allez me faire un enfant qui va ressembler à Julio Iglesias? Alors le type, bah, écoutez, c'est pas compliqué, hein. Moi, je l'aime pas Julio Iglesias, mais ma femme, elle est comme vous. Elle adore Julio Iglesias. Alors, par exemple, je vais vous dire, à la maison, quand on est dans l'entrée, il y a un poster de Julio Iglesias. Ah oui, ah bon. Aux toilettes, je vais chier, il y a un poster de Julio Iglesias. Dans la chambre à coucher, devant le lit, il y a un poster de Julio Iglesias. À la télévision, on ne regarde que des vidéos, des spectacles de Julio Iglesias. Quand elle allume la radio, c'est pour écouter du Julio Iglesias. Les disques, c'est... Alors, du Julio Iglesias, j'en ai plein les couilles. Ha, 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 ha